Dialogue euro-africain sur la migration, l'Union européenne souhaite mettre en place une feuille de route pour le transfert de fonds et de retour progressif des migrants. Une réunion thématique se tient depuis ce matin à Bamako sur cette stratégie. Le sommet Afrique-France se prépare activement. C'est dans ce cadre que la région des Cayes vient d'abriter un forum genre et développement qui a donné la parole aux femmes pour qu'elles s'expriment sur leurs préoccupations. Mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, voilà 22 ans que notre pays célèbre l'événement. Quel est le sens de ce mois? Pourquoi son institutionnalisation par les autorités? Enfin, quels sont les acquis enregistrés? La rédaction consacre un dossier à ce sujet. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux informations. Comment mettre en place le processus de rabat par l'Union européenne? C'est l'objet donc de la réunion thématique d'un processus sur les stratégies d'engagement de la diaspora. Après 10 ans de dialogue, l'Union européenne entend mettre en place une feuille de route entre l'Europe et l'Afrique pour le transfert de fonds et le retour progressif des migrants. Compte rendu, Mariam Sagara. Quel cadre idéal mettre en place pour contenir le flux de migration? L'Union européenne est à pied d'œuvre pour encourager un départ régional des migrants de leur continent à travers des actes dits de transfert de compétences, de retour progressif ou d'encadrement de flux migratoires. La réunion thématique vise à assurer un transfert d'expertise en matière d'élaboration de politiques et des plans d'action d'engagement de la diaspora. La migration fait pour la première fois partie intégrante de la politique de développement. Les objectifs de développement durable qui ont été fixés pour 2030 présentent l'avantage d'être inclusifs et protecteurs tout en reconnaissant la contribution des migrations au développement et à la croissance. Depuis 10 ans, l'Union européenne multiplie le dialogue pour préparer le retour des migrants implantés dans leur continent. Le processus de Rabat a très vite adopté une approche plus large et plus ambitieuse des questions migratoires, incluant la migration légale, mais aussi le lien entre migration et développement. Pour une gestion concertée et une vision multidimensionnelle, le ministre des Maliens de l'Extérieur, Abdramane Sylla, demande une humanisation du processus. La réponse aux défis migratoires, la plus crédible est l'approche globale dans une vision commune, mais dans la responsabilité partagée. Les questions de migration doivent se traiter avec humanisme. Et notre rôle aujourd'hui de dirigeant du monde est de construire des ponts entre les peuples et non des murs. Ensemble, nous devons combattre les discours de haine contre les migrants. Le Mali dispose d'une diaspora forte et pleinement investie dans le processus du développement. Le transfert des fonds de la diaspora en 2015, s'élève à quelque 471 milliards de francs CFA, c'est les données de la BCAO. Périr dans le désert, dans le Sahara ou au large de la Méditerranée n'est pas le souhait des migrants ou des victimes. Seulement, la pauvreté qui balaie constamment le continent africain entraîne les bras valides vers des aventures dangereuses. Dans le cadre de la culture de la paix, l'UNESCO accompagne notre pays pour soutenir les efforts du gouvernement. L'organisation onusienne vient d'élaborer à cet effet un document de programme national de la culture de la paix. Le rapport a été remis au ministre de la Réconciliation nationale. On fait le point avec Aldjou Matina. Le représentant de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture au Mali remet au ministre de la Réconciliation nationale le rapport relatif à la stratégie nationale de culture de paix. Pour permettre à notre pays d'aspirer au vivre ensemble, l'UNESCO n'est pas resté en marge. Ça a été une méthodologie participative, en se basant beaucoup plus sur les orientations qui étaient données par les représentants des différentes structures ministérielles et la société civile. L'objectif de ce programme, c'est asseoir durablement une culture de la paix et de la non-violence entre les communautés. Le document aidera sans nul doute le département pour la consolidation de la paix. Nous sommes très heureux de recevoir ces documents pour plusieurs raisons. D'abord, puisque nous avons pris part à la confection de ces documents et des idées qui les sous-tendent. Deuxièmement, puisque quelque part, il y aura un recoupement avec ce que nous allons faire dans l'avenir. Et troisièmement, c'est une source d'inspiration que nous recevons avec beaucoup de bonheur. Le représentant de l'UNESCO est en fin de mission.
Ce rapport est donc la conclusion du travail qu'il a mené au Mali dans le cadre de la culture de la paix. Les partenaires aux côtés du Mali pour l'élaboration du plan de réponse humanitaire, ce plan doit s'étaler sur 3 ans. Les participants à un atelier doivent recueillir les données sur les risques et les vulnérabilités pour développer la résilience des populations. Reportage Boubacar Sissoko. Les experts des services étatiques, des ONG nationales et internationales sont réunis. Au centre des débats, l'élaboration du plan de réponse vigoureuse dans le cadre de l'humanitaire dans notre pays. Donc, il s'agit de lancer la nouvelle programmation triennale du plan de réponse humanitaire que la communauté internationale et les gouvernements vont élaborer pour le Mali et qui couvrira donc l'année 2017 jusqu'à l'année 2019. Ce projet dénote de l'engagement sans faille des partenaires humanitaires aux côtés du Mali depuis le début de la crise que notre pays a vécue. Notre gouvernement, à travers le ministère de la Solidarité et de l'Action humanitaire, encourage et soutient la planification humanitaire 2017. C'est l'occasion de souligner que la planification vient en complément aux initiatives déjà engagées par le gouvernement de notre pays, notamment les plans humanitaires d'urgence pour les régions du Nord, Mopti, Gao, Tombouctou, Kidal, et le plan intérimaire 2015-2016. En cours. À l'issue de l'atelier, les participants doivent identifier les risques et les vulnérabilités des bénéficiaires. Il s'agit également pour eux de développer la résilience des populations vulnérables afin de les fournir une assistance nécessaire à leur survie. À l'invitation de son homologue de la République du Niger, Ousseini Tini, le président de l'Assemblée nationale du Mali a quitté Bamako ce matin pour Niamey. L'honorable Issaka Sidibé, à la tête d'une délégation parlementaire, prendra part à la cérémonie d'ouverture de la 2e session ordinaire de l'Assemblée nationale du Niger prévue pour ce jeudi 6 octobre 2016. Le président du Parlement malien mettra à profit cette occasion pour approfondir les relations de coopération parlementaire entre le Mali et le Niger. Journée mondiale des enseignants, la qualité de l'enseignement dépend de l'amélioration des conditions de travail de l'enseignant. C'est le constat fait par des partenaires de l'école. Ils étaient conviés à une conférence débat sur les défis et enjeux de la décentralisation de l'enseignement. Compte rendu, Moïse Traoré. La qualité de l'enseignement passe par l'amélioration des conditions de travail et de vie de l'enseignant. Les intervenants à la célébration de la Journée mondiale des enseignants sont unanimes. Le gouvernement s'évertue à améliorer la fonction enseignante à travers l'amélioration de la formation initiale au sein des instituts de formation de maîtres, l'amélioration de la formation continue des enseignants. Il y a aussi le souci d'améliorer le traitement de l'enseignant. Les fonctionnaires enseignants des collectivités territoriales sont estimés à 54 000 à travers le pays. L'accord de paix qui a été signé entre le gouvernement et les groupes armés, l'État s'est engagé dans une décentralisation poussée. Donc cela réconforte davantage la place et le rôle de la fonction de la collectivité dans notre pays. Le métier d'enseignant est une fonction noble, très noble, parce que c'est là où on pense qu'on gagne le moins, mais c'est là où on gagne le plus, parce qu'on agit sur l'être humain. La secrétaire générale de la Centrale démocratique des travailleurs du Mali, CDTM, a suggéré la délocalisation de la journée à l'intérieur du pays. En attendant, le syndicat des fonctionnaires enseignants décerne des attestations de reconnaissance à 6 enseignants, dont Fatmata Siré Diakité de l'APDF et Togola Diamant Sissoumou. Madame Togola enseigne au lycée depuis 46 ans. Puis le bureau exécutif national du syndicat national de l'éducation et de la culture rappelle que la journée mondiale des enseignants est une journée donc célébrée le 5 octobre. Elle a pour but de sensibiliser sur l'importance et le rôle des enseignants dans le système éducatif tout en examinant la qualité du travail des formateurs de par le monde. Le bureau exécutif saisit cette occasion pour interpeller les pouvoirs publics, l'opinion nationale et les institutions internationales sur leur rôle d'instigateurs
et d'accompagnateur. Nous sommes à l'école ONIREST. L'Institut africain de technologie et de management ouvre ses portes ici au Mali. Les promoteurs de cette école supérieure affiliée à l'Université suisse de Genève ont procédé hier à l'inauguration des locaux 6 à Bakodjikoroni. La toute nouvelle université a une capacité d'accueil de près de 1000 étudiants. Reportage Nuhum Sissoko. Le paysage universitaire s'enrichit au Mali avec l'ouverture à Bakodjikoroni en commune 5 du district de Bamako de l'Institut africain de technologie et de management AITMA. Ce bel immeuble de 4 étages a été conçu et construit pour abriter les formations AITMA. Une trentaine de salles de classe, 3 amphithéâtres, pouvant accueillir environ 1 000 000 d'étudiants. Cette école mixte malienne et suisse est encore un point d'espoir, certainement qui va encore améliorer l'enseignement supérieur du Mali, en ce sens que c'est véritablement une école internationale. L'AITMA, en partenariat avec l'Université suisse de Genève, propose une gamme de filières de formation aux étudiants. Il s'agit notamment du management d'entreprise, le commerce international, le marketing et communication, les relations internationales et diplomatie, le droit public et privé. Nous avons la chance d'avoir des professeurs suisses qui ont un équilibre entre la théorie et la pratique. Nous avons de 24 nationalités de professeurs qui permettra pour nous d'avoir certain respect au niveau de perspective internationale. C'est un engagement privé avec un concept novateur qui vise à offrir aux étudiants du Mali des enseignements de qualité qui les préparent au leadership et à l'entrepreneuriat et surtout, nous avons entendu aussi, à la création d'emplois. L'objectif de l'AITMA est la formation des nouveaux types de citoyens maliens. Cette nouvelle école, c'est réellement pour faire en sorte que le maximum d'hommes et de femmes puissent avoir la possibilité de faire une formation sur place à Bamako, en répondant à toutes les exigences académiques internationales. L'Institut africain de technologie et de management forme suivant les exigences du système LMD. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, présente les condoléances du peuple malien à la communauté catholique. C'est la suite au décès de 2 grandes figures de l'Église catholique du Mali en septembre dernier. Une délégation de la présidence de la République, conduite par son chef de cabinet, s'est rendue hier à l'archevêché de Bamako pour exprimer au nom du chef de l'État et à la compassion de toute la nation. Reportage Nuhum Sissoko. L'Église catholique du Mali est en deuil. Elle a perdu 2 personnalités importantes en septembre dernier en Italie. Il s'agit de l'abbé Noé Togo, 40 ans, en formation, et de Mgr Georges Fongoro, 58 ans, évêque du diocèse de Mopti, qui suivait des soins médicaux. En cette dure épreuve, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, exprime à l'Église catholique la douleur de tout le peuple malien. Nous nous associons à la douleur qui vient de frapper l'Église du Mali et l'ensemble de la communauté catholique, et particulièrement au diocèse de Mopti. Que nos 2 frères qui viennent de nous devancer soient au paradis, et que Dieu nous donne la force de continuer la mission auquel ils ont dédié leur vie ici-bas. Amen. L'archevêque de Bamako se dit comblé par cette démarche, qui prouve une fois de plus que nous sommes tous d'abord des humains. Le fait que le président ait envoyé donc la présidence pour venir exprimer ses condoléances dans la chambre de l'Église malienne signifie que nous sommes dans un pays où ce qui compte d'abord, c'est la fraternité. Quand ton frère est dans la souffrance, vous êtes là. Quand il est dans la joie, tu es là. Justement, cet exemple qu'il nous donne, qui rejoint d'ailleurs le comportement, je dirais, des voisins, des quartiers, parce que c'est sûr et certain que depuis cet événement, les gens viennent ici. Et quand nous aurons un Mopti, on verra bien. On ne dira pas c'est sur les musulmans, c'est sur les chrétiens, sur les protestants. Nous sommes humains. La vie et la mort, justement, nous lient profondément. La dépouille de l'évêque Georges Fongoro est attendue ce jeudi et ses obsèques auront lieu samedi 8 octobre à Mopti.
Et puis le gouvernement de la République du Mali dit avoir appris avec amertume et consternation le double deuil qui a frappé l'église catholique malienne. Il s'agit du décès des éminentes personnalités religieuses suivantes: Abbé Noé Togo, prêtre du diocèse de Mopti, décédé le 2 septembre 2016 en Italie, et de Monseigneur Georges Fongoro, évêque du diocèse de Mopti, décédé le 22 septembre 2016 en Italie. Face à cette douloureuse situation, au nom du chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta, du gouvernement et de l'ensemble du peuple malien, le ministre des Affaires religieuses et du culte adresse à la conférence épiscopale du Mali, à la communauté catholique et aux familles des illustres disparus les condoléances les plus attristées. La Haute Autorité de la Communication HAC vient de boucler une série de rencontres avec les associations et organisations professionnelles ainsi que des promoteurs de médias audiovisuels. À l'issue de ces rencontres, le président de la dite autorité a accordé un entretien à une équipe de l'ORTM dirigée par Nyaza Koulibaly. Nous l'écoutons. Les radios qui émettent sur la base d'arrêté interministériel, les radios qui émettent sur la base d'autorisation provisoire doivent toutes se conformer au nouveau cadre légal et réglementaire. Celles qui émettent sur la base d'arrêté interministériel, nous allons leur donner 6 mois pour qu'elles se conforment au nouveau cadre légal et réglementaire. Et celles qui émettent sur la base d'autorisation, nous allons leur donner 4 mois. En ce qui concerne les radios qui émettent dans l'illégalité totale, c'est-à-dire des radios qui émettent sans aucune autorisation, ça dépasse l'entendement, mais ça existe. La loi nous impose à nous, Haute Autorité de la Communication, qu'avant de prendre toute sanction, nous sommes obligés de faire une mise en demeure au service de communication audiovisuelle. Nous allons adresser à ces services de communication audiovisuelle une mise en demeure, les informant de la situation dans laquelle elles se trouvent, selon les documents que nous avons, selon les dossiers que nous avons, pour que, dans un délai, elle réagisse à cette mise en demeure. La réaction peut nous conforter dans notre décision à nous. Auquel cas, la Haute Autorité de la Communication prendra la sanction de retrait pur et simple de ses services de communication audiovisuelle. Ça veut dire la fermeture pure et simple de ses radios. Là, il n'y a rien à dire. Vous pourrez suivre donc l'intégralité de cet entretien après ce journal. Grand format de cette édition, depuis 22 ans, le Mali célèbre le mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, un mois entièrement dédié au partage et à l'entraide. Pour comprendre le sens de ce mois, son institutionnalisation par les autorités, les acquis engrangés, nous avons approché les différents responsables chargés de l'organisation de cet événement. Voici le reportage de Bourama Traoré. Comme le martèle bien Raoul Folero, le vagabond de la charité, nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Le bonheur doit donc être partagé. N'est-ce pas là tout le sens du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion? Pour que la valeur de solidarité, la valeur d'entraide et la valeur vraiment en fait de vivre ensemble puissent vraiment être mises en exergue et puissent vraiment servir encore de fondement pour notre société. La solidarité est l'une des valeurs cardinales de la société malienne. Tout un mois est donc dédié à sa promotion, cela depuis 22 ans. Et cette année, la tradition est encore respectée. Cette 22e édition a des particularités. Le mois sort de la charité, parce que le mois de la solidarité, ce n'est pas un mois de charité. Les 3 objectifs fondamentaux, c'est comment développer une solidarité entre les pays du pays, comment faire en sorte que les fruits de la croissance soient partagés dans un souci d'équité entre les différentes couches sociales, et comment faire en sorte que l'exclusion sociale soit le moins perceptible au niveau de nos sociétés. Depuis le 27 septembre 2001, le mois est institué. Principal motif, perpétuer et renforcer la tradition de solidarité, surtout au profit des couches défavorisées. Le mois se propose de poser des actions dans la durabilité. Il ne s'agit plus de gérer le secours ponctuel, mais de poser des actes qui permettent l'autonomisation des personnes qui vont bénéficier de la solidarité. L'édition 2016 est célébrée sous le thème « Solidarité moteur d'un développement durable ». La volonté affichée est de faire du mois un véritable instrument de lutte contre la pauvreté. Faire en sorte que ceux qui bénéficient de la solidarité aujourd'hui puissent être demain ceux qui donnent de la solidarité. C'est pour cette raison qu'il faut allier solidarité à développement humain durable, car en dernier ressort, ce qui importe, c'est de donner les opportunités aux personnes vulnérables pour être les propres acteurs de leur propre développement.
Entre mots et actes, les responsables du département en charge de la solidarité sont formels. En termes d'acquis, il y a de quoi être fier. Sur le terrain, vous verrez certaines activités génératives de revenus aujourd'hui qui ont été financées dans le cadre du mois de la solidarité. Vous avez trouvé des gens aujourd'hui qui ont été soulagés dans leur souffrance grâce au mois de la solidarité. Donc bref, on peut citer un nombre important d'acquis dans le cadre du mois de la solidarité. Certes, tout n'est pas parfait, c'est pourquoi la nouvelle dynamique qui intègre l'aspect char, l'aspect enfant, l'aspect partenariat, l'aspect développement, va au-delà de la parole, mais c'est des actes que nous posons. Comme dirait l'autre, quand le sens d'une activité est bien compris, l'adhésion devient massive. L'événement mobilise de plus en plus les partenaires, surtout au niveau du secteur privé. À travers en fait le concept de entreprise citoyenne et les organisations de la société civile qui s'approprient le mois de la solidarité. Donc son institutionnalisation est l'occasion non seulement pour le gouvernement, les structures de l'État, mais aussi pour la société civile de manifester en fait sa solidarité envers les couches les plus démunies. Il reste entendu que la forme et le contenu vont changer. Plus qu'un mot, la solidarité est un comportement. Et comment rendre plus concret ce slogan sur le terrain, c'est à cette tâche que s'attelle désormais le département de tutelle. Le dossier de la rédaction. En quatrième région, le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle a procédé à Tominia au lancement du projet développement des compétences et emploi des jeunes. Ce projet vise l'installation et l'accompagnement de plus de 1000 jeunes dans les filières porteuses. Reportage Kandesila. Le lancement officiel à Tominia de l'opération 1087 kit accompagné de fonds de roulement se situe dans le cadre du projet de développement des compétences et emplois jeunes PROCESE, un projet initié par le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle et la Banque mondiale à travers l'APEJ. L'objectif final, c'est de toucher 10 000 jeunes faiblement scolarisés et non scolarisés et pour les doter chacun au moins de 300 000 francs CFA en termes de fonds de démarrage. Pour cette cérémonie, ils sont 22 jeunes bénéficiaires de Tomian et de Benena. Chaque jeune a reçu son kit et une somme de 90 000 francs CFA comme fonds de roulement. Au nom des bénéficiaires de cette année, je prends l'engagement qu'une utilisation correcte sera faite des fonds alloués. Cette initiative, qui s'inscrit dans le cadre de la vision du président Ibrahim Boubacar Keïta, vise à soutenir l'émergence des jeunes entrepreneurs, surtout en milieu rural. Nous avons procédé à la remise de kits, par exemple des kits d'élevage porcin. Et la dame a expliqué qu'elle va acheter les porcins autour de 7500. Elle va les engraisser et puis elle va les revendre autour de 35 000, 37 500. Donc ce qui fait quand même un revenu sûr pour elle. Certaines personnes vont s'engager dans la savonnerie, d'autres dans la maçonnerie. Et dans nos villes, ce sont des activités très importantes, ce sont des métiers porteurs. Auparavant, les diplômes avaient été décernés à des maîtres artisans formés dans les filières de l'artisanat et de l'agro-silvopastoral. Tenu à Kaye de l'atelier régional dans le cadre du forum Jar et Développement, objectif écouter les femmes de la région sur leurs préoccupations en prélude au sommet Afrique-France que le Mali s'apprête à accueillir en janvier 2017. Compte rendu, Kansoutou Kanouté. Cette rencontre préparatoire du forum Genre et Développement, dont le thème central est l'entrepreneuriat féminin dans le domaine de l'agro-business, clé de l'émergence de l'Afrique, s'inscrit dans le cadre des préparatifs du 27e sommet des chefs d'État et de gouvernement d'Afrique et de France. Une opportunité pour les femmes et les jeunes pour entreprendre des activités économiques. Depuis 2012, nous vivons dans une situation extrêmement difficile qui a affecté toutes les activités économiques au niveau de toutes les villes, au niveau de la campagne, partout. Donc le sommet va donner l'occasion au Mali donc, de renaître, de relancer l'économie. Donc c'est pourquoi nous portons ce message-là, pour que tout le monde se sente concerné et que le Mali puisse accueillir ses hôtes dans la dignité, dans la fierté, en offrant son hospitalité légendaire, mais en reconnaissant aussi vraiment et en remerciant les partenaires de la France et d'Afrique pour la confiance qui a été placée en lui pour accueillir un sommet à des moments aussi difficiles pour notre pays. La région de Kaye est une région agricole. La région de Kaye regorge beaucoup de femmes qui sont dans l'agro-business. Il s'agit de faire comprendre à la délégation nationale tout ce qu'elles ont comme préoccupation, afin qu'au moment de la rencontre de novembre, on puisse tenir compte effectivement
les préoccupations de la région de Kayes. Les femmes intervenant dans le domaine de l'agriculture et de l'entrepreneuriat dans les 7 de la région sont venues en grand nombre pour assister à cet atelier qui vient à point nommé car les données statistiques disponibles sont assez alarmantes pour les femmes actrices placées au début, au milieu et à la fin de la chaîne de production agricole. Elles sont victimes de ségrégation fondée sur le genre. Nous restons à Kayes où l'ambassadeur des États-Unis au Mali est en visite dans la région. Le diplomate a rencontré sur place le gouverneur au menu des échanges, l'actualité dans la région et les défis actuels à relever. Pour plus de précisions, écoutons l'ambassadeur des États-Unis au Mali au micro de Jafar Aïdara. Oui, j'ai venu pour parler avec le gouverneur et aussi vraiment pour visiter toute la région pour mieux comprendre tous les défis, tous les succès. Et vraiment, pour parler avec le peuple ici, c'est très, très gentil. J'ai appris beaucoup de choses et demain, je sais que nous avons l'opportunité de visiter plusieurs autres locales. Nous avons parlé de la possibilité économique ici. Il y a beaucoup de possibilités, franchement, avec les grands fleuves de la région de Kayes, les possibilités des ressources minérales. Et nous sommes en train toujours de parler avec les compagnies américaines pour savoir qu'est-ce que nous pouvons faire pour aider le peuple de Mali. C'est simplement ça. Je vois qu'il y a grandes possibilités ici. L'avenir de Kayes, la région de Kayes et la région du pays de Mali, il y a un grand avenir. Et les États-Unis sont un grand partenaire avec le Mali. Une nouvelle carte pour le Mali, la présentation des résultats du projet de réfection de la cartographie a eu lieu à la faculté d'histoire et de géographie. Financé par l'Union européenne, le projet de 4 ans a également procédé à l'élaboration de produits et services dérivés tout en contribuant à la modernisation de l'Institut géographique du Mali. Les résultats obtenus ont été présentés au cours d'un séminaire, nous dit Moïse Traoré. Le projet bouclé après 4 années de fonctionnement est réfection de la cartographie de base à l'échelle 1200e du Mali, élaboration de produits et services dérivés et modernisation de l'Institut géographique du Mali. Outre des équipements technologiques et des véhicules, les acquis sont de plusieurs ordres. Le territoire national est désormais couvert intégralement par l'imagerie Sport 6 à une résolution spatiale meilleure que 2 mètres. Une base de données nationale vecteur échelle 1/200 000e, un géoportail moderne de visualisation des données géographiques existantes par web mapping. Les données géographiques ainsi collectées pendant ce projet constitueront pour nous un outil privilégié dans la prise de la bonne décision, gage de bonne gouvernance. Le projet s'intéresse également à la définition d'un profil académique pour la spécialisation en cartographie. Je vous donne l'assurance que le recteur et l'équipe qui l'entoure seront toujours à votre côté chaque fois qu'il s'agira de mettre à disposition de notre public les résultats des recherches. Car, en plus de la formation Université des sciences sociales et de gestion de Bamako, s'est fixé aussi comme objectif l'ancrage de la recherche dans ces facultés et instituts. La faculté d'histoire et géographie est en commune suisse du district de Bamako. Bamako va accueillir du 10 au 12 octobre la 10e Assemblée générale ordinaire de la Fédération interafricaine des assureurs conseils. En prélude à cette rencontre, les organisateurs étaient devant la presse pour expliquer le rôle des coursiers et l'importance de ce rendez-vous. Compte rendu, Abdul Karim Kaba. La Fédération interafricaine des assureurs conseils FIAC est créée au Mali en 2005 et elle regroupe les associations de courtage d'assurance des 14 pays de la Conférence interafricaine des marchés d'assurance plus la Guinée. Le pilier qui compose le secteur des assurances, je vous ai dit qu'il y avait l'administration qui avait sa représentation qui est la CIMA, les compagnies d'assurance qui avaient leur association qui est la FANAF et les intermédiaires qui n'avait absolument rien comme représentation. Donc, si vous voulez, la place était là, elle était vide. Cette assemblée générale ordinaire sera un cadre d'échange entre les courtiers et les compagnies d'assurance. Il était bon, nécessaire et utile qu'on soit là en tant qu'intermédiaire, parce qu'il y a tout un code. Dans le code, il y a tout un chapitre, tout un livre qui est consacré aux intermédiaires, dont les courtiers. Mais les courtiers n'étaient pas là quand au niveau de la CIMA, on se retrouvait. Ce n'était pas normal. Et c'est pourquoi on a décidé de créer
cette fédération, on l'a créée, et donc ça nous a donné cette possibilité d'être désormais entendu, d'être écouté, d'être entendu, de pouvoir participer à la mise en place, à consolider les acquis au niveau des compagnies d'assurance. Le thème de la 10e Assemblée générale ordinaire de la Fédération interafricaine des assureurs conseil portera sur le renforcement des capacités du courtier d'assurance. Elle sera aussi l'occasion de commémorer le 10e anniversaire de la Fédération interafricaine des assureurs conseil. Activité politique maintenant. Toutes les structures du parti sont prêtes pour le rendez-vous électoral du 20 novembre prochain. C'est l'assurance donnée par les responsables de l'Alliance pour la République APR. C'était à l'occasion de la rentrée politique du parti tenue samedi dernier. La rentrée était présidée par le président du parti, Oumar Ibrahim Touré, nous dit Fademba Keïta. C'est dans une ambiance bon enfant et très enthousiaste que les militants de l'Alliance pour la République APR ont tenu la rentrée politique du parti. Rentrée qui a été aussi marquée par l'intronisation du nouveau bureau de la section APR de la commune 6. L'hymne du parti affiche l'ambition des militants et militantes de la section. À ce jour, le parti compte plus d'une centaine de comités et 8 sous-sections. L'un des premiers objectifs qui nous a été assigné, c'est de faire un bilan honorable lors des élections communales à venir. Les femmes de l'APR sont plus que jamais engagées afin de mériter les 30% de quotas qui leur sont alloués. Les élections communales à venir sont une réelle source de motivation pour nous les femmes et nous sommes ravis de l'existence du respect du quota du genre. L'Alliance pour la République fait partie de la convention de la majorité présidentielle composée de 65 partis politiques. Quand vous dresserez vos listes et quand vous pensez qu'il faut aller vers des alliances, comprenez qu'il y a des partisans qui sont là avec lesquels vous pouvez travailler. C'est un devoir pour nous et également un devoir de reconnaissance. Nous appartenons à la convention de la majorité présidentielle. Nous sommes tous liés par ce soutien aux actions du président de la République et du gouvernement. Dans les tout prochains jours, les membres du bureau exécutif national du parti procéderont à la rentrée politique de la section APR de la commune 2. L'amicale des anciens du service national des jeunes, AMA-SNJ, félicite le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, son gouvernement pour la volonté politique suite à l'adoption des textes régissant le nouveau service national des jeunes après 25 ans d'arrêt. Le tout nouveau commissariat de police de Kalabankoro a été inauguré hier, journée nationale de la police. Le commissariat a également été doté d'un véhicule et de 2 motos. Au reportage Mamoutou Danté. La commune rurale de Kalabankoro a désormais son commissariat de police. C'est un bâtiment flambant neuf composé de bureaux pour l'administration, des cellules pour détenus et une salle de conférence. Le commissariat bénéficie également d'un véhicule et de 2 motos. L'inauguration officielle a été effectuée ce 4 octobre, coïncidant avec la journée nationale de la police, en présence de l'ensemble des autorités policières. Ce poste de police contribuera à faciliter le travail de la police nationale dans sa tâche quotidienne de sécurisation des populations. Je suis un directeur régional doublement satisfait. Première satisfaction demeure en la symbolique de l'événement. Il a lieu ce jour, 4 octobre, une date désormais célèbre pour la police nationale du Mali. Le 4 octobre 1960 a vu la passation du commandement entre le dernier directeur Colomb et le tout nouveau premier directeur général de la police, l'officier de police Mamane Touré. Tout est symbole. Mes collègues et moi prenons l'engagement solennel de maintenir dans la commune un climat sécuritaire propice à l'épanouissement des populations. Je vous confie cette police nationale. Je vous confie ce commissariat pour vous dire les hommes et les femmes qui viendront servir ici sont les vôtres, sont vos frères, mais c'est tous les serviteurs de l'État. L'ouverture de ce nouveau commissariat s'inscrit dans la politique nationale des autorités à veiller sur la sécurisation des populations et de leurs biens. Le coût de réalisation s'élève à environ 106 millions de francs CFA. On va maintenant souffler à musique. Le premier forum africain sur la musique a pris fin à Ségou. Plus de 20 pays ont pris part à cette édition. Lors de ce rendez-vous culturel, on a surtout parlé de la professionnalisation du secteur. Reportage Kande Silla. Le forum international de Ségou qui vient de s'achever aura permis de combler plusieurs attentes.
Forum dont le thème principal est la professionnalisation des acteurs de la filière musique. Plus de 23-24 pays, plus de 40-50 experts de haut niveau dans tous les domaines de la musique, tous continents confondus, tous les sujets prévus traités. Au terme des deux jours d'échanges et de discussions, plusieurs défis ont été constatés. Parmi ces défis, la nécessité d'accompagner les mutations en cours dans les métiers de la filière. Aujourd'hui, l'Afrique est à la croisée des chemins avec les nouvelles technologies, avec les streaming, avec les métadonnées. Aujourd'hui, véritablement, l'Afrique doit se mettre au diapason de la nouvelle musique. La tenue de ce forum entrait dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale culturelle et c'est salutaire. À l'issue du forum, des diplômes de reconnaissance ont été décernés aux participants, suivis de la découverte des instruments de musique. Un concert géant a mis fin à cette rencontre. La musique appelle la musique. Toumani Diabaté et le groupe musical espagnol Ketama se produiront en concert live demain jeudi à l'Institut français du Mali. L'annonce a été faite hier au cours d'une conférence de presse. Ce spectacle s'inscrit dans le cadre des festivités commémoratives de la fête nationale du Royaume d'Espagne, célébrée le 12 octobre de chaque année. Cette soirée musicale donnera l'occasion d'explorer les liens culturels entre l'Espagne et le Mali à travers le projet musical baptisé Songoy. Ce projet musical insolite offrant une fusion entre le groupe espagnol Ketama et notre compatriote Toumani Diabaté est une programmation inédite au Mali. Ce concert événement initié par l'ambassade d'Espagne dans notre pays en collaboration avec l'Institut français du Mali célèbre une date non des moindres. Nous présentons cette initiative en prélude de la fête nationale. Donc ce 6 octobre c'est le concert, le 12 octobre c'est la fête nationale. Et donc pour nous, c'est une manière d'offrir un dialogue entre le Mali et l'Espagne, entre la culture mandingue et la culture gitane, entre la musique traditionnelle malienne et le flamenco. Après le succès de sa tournée en Europe, le projet Songaï ambitionne de conquérir les mélomanes maliens à travers ce spectacle. Véritable symbole de relation entre l'Afrique et l'Espagne, la fusion Toumani et Ketama est une histoire qui date déjà de plusieurs décennies. Et les Ketama, je les ai connus en 87 en Angleterre et on a eu la chance de pouvoir faire deux albums ensemble. Et oui, le premier, c'était tout seul. Et le deuxième, je l'ai fait avec aussi Bassekou et Paix à son âme Keletiki, Diabaté, Kassemadi, etc. Donc voilà, Toumani a continué son chemin et les Ketama aussi ont continué leur chemin. Et voilà que les chemins se sont croisés l'année dernière à une fête organisée par des Espagnols pour commémorer l'indépendance du Mali en Espagne. Et là, j'étais avec Sidiki en duo, album, et là, le projet a repris encore et là, c'est parti. Le public pourra donc découvrir cette expérience de dialogue culturel en Mali-Espagne ce jeudi à l'Institut français du Mali, un projet musical qui magnifie les liens culturels entre ces deux pays. C'est donc la fin de ce journal au nom de l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Autre rendez-vous avec l'actualité demain 10 à 13 heures. Une présentation de Khadija Toukone. S'il plaît à Dieu, je serai là pour les éditions du soir. Au revoir. Allah bénisse le Mali. Thank you.